salut, c'est encore moi la Queen Day. Aujourd'hui il fait chaud franchement. Alors je venais encore m'adresser à ces filles là qui lorsqu'avant qu'on leur épouse, elles se faisaient passer pour des saintes. Mais une fois à la maison, elles traitent sa belle famille comme des sorciers, comme des chiens. C'est quoi votre problème? Avant que l'épouse de gars, sa belle famille était la meilleure, la top des tops. Et une fois qu'on te met à la maison, ils deviennent des sorciers. Franchement, c'est pas possible. C'est quoi votre problème? Les pauvres gens viennent rendre visite à leurs frères. Ils n'ont pas droit à de l'argent. Ils n'ont pas droit à un sucré. Ils n'ont droit à rien. Même pas à manger. Sous prétexte que chez toi, quand les visiteurs ne s'annoncent pas, ils n'ont droit à rien. Ils doivent attendre quand leur frère va venir. Ils mangent. Ce qu'il va laisser là, c'est ce que toi tu vas leur donner. Ce sont des chiens. Mais franchement, c'est quoi ton problème? Donc pour toi, tu as déjà attrapé ton trophée là. Comme tu l'as avec toi, tu gardes ça et sa famille n'est plus rien. On est africain. Lorsqu'on épouse un homme, on épouse aussi sa famille. Peu importe le défaut de ta belle famille, tu dois apprendre à les aimer et à les accepter. Eh eh, ma beauté lio mobali. Sans eux, tu n'aurais pas vu ou tu n'aurais pas eu cet homme-là. Alors un maximum de respect et de considération envers la belle famille. C'est quoi ça? Franchement, il y a des gens qui me déçoivent. Hein? Faut faire très attention les filles. Hein? Faut apprendre à protéger sa belle famille et surtout à la respecter. Bye bye.